quand plusieurs routes s'offriront à toi et que tu sauras par laquelle choisir. Mesdames et messieurs, n'en prends pas une au hasard. Mesdames et messieurs, nous sommes lundi 25 mars 2024. Bonjour à vous tous et bienvenue à la une des journaux avec un léger retard indépendant. Voilà de notre volonté ce matin. Nous allons démarrer par le calendrier des faits, comme à notre habitude, puisqu'aujourd'hui, c'est une journée qui sera donc favorable pour toutes les actions spirituelles, matérielles et physiques. Aujourd'hui, on s'est placé sous le signe de beau. Et quand c'est beau, le signal est au vert. Aujourd'hui, le psaume 102, c'est donc cela qui est conseillé aujourd'hui pour nos amis chrétiens. Vous êtes fidèles musulmans, vous allez lire la sourate 41. Aujourd'hui, la couleur blanche va plus porter de la chance aujourd'hui si vous êtes natif du signe cancer. Mesdames et messieurs, allez, aujourd'hui, c'est votre jour de chance. Vous croyez en tous ces détails. Mesdames et messieurs, alors prenez toutes les dispositions qui s'imposent. Ce qui nous rassure ici dans les locaux de National TV chaque jour est celle que l'Éternel Dieu a faite. Et aujourd'hui également sera encore la bonne pour tout un chacun de vous dans la plénitude de la grâce divine. Guillaume a répondu, amen, puis c'est lui qui a su la réalisation. Ce matin, nous allons démarrer avec la une des journaux plutôt pour parler en premier le potentiel. Le potentiel qui s'intéresse à quoi déjà? Bête Bénin, Patrice Ongla, l'artisan d'un creuset politique fort. C'est ce qu'a mis le journal en premier grand titre ce matin, lancement du mouvement bâtisseur engagé pour le développement. Le week-end écoulé à Savalou, Patrice Ongla, justement, l'artisan d'un creuset politique fort, a mis le journal ce matin. Le conseiller César, le canard écrit que le conseiller César, oui, et d'autres leaders s'engagent pour le creuset de la 9e circonscription électorale, a mis le journal Le Potentiel en premier grand titre ce matin. En visite à la zone industrielle de Glodjigbé, Adiyatou Matisse sort séduite par les investisseurs. En coup, a mis le journal ce matin, c'est ce qu'a mis le canard. Mairie de Cotonou, 7 cadres suspendus par le SE à Monsouga, c'est ce qu'a mis le potentiel ce matin. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, procurez-vous du canard. Restauration, ici c'est Nord-Sud Quotidien qui écrit ceci, il met restauration, le décret qui réorganise le secteur. Restauration, le décret qui réorganise le secteur. L'information, c'est du Nord Quotidien qu'il a donc placardé ce matin. La tribune de la capitale à présent qui met inauguration de l'académie de football Tambou d'Adjara du Mai, Germain Wanvoy-Egbe, un majestueux joyau à Malanroui pour camper deux de ses équipes féminines, a mis le journal ce matin. C'est bien sûr la tribune de la capitale qui met cela en grand titre. Après avoir assisté à une conférence publique à Cotonou, trois personnalités dénoncent une usurpation trompeuse de leur présence sur les lieux, a mis le journal ce matin. Élection des professionnels des médias à la Hague. Le quitus fiscal s'invite dans le débat, a mis le journal ce matin. Le rénovateur qui met amélioration des conditions de vie et de travail des AME, quid de la promesse faite aux professionnels des médias, s'interroge le journal Le Rénovateur ce matin en grand titre ce matin. Le leader du jour d'Olivier Renoir s'intéresse à quoi? Célébration différée de la GIF 2024 dans la vallée. Apolline Gévlavo, nous Christelle H. Alioza et Jana Donsiba, Maman Gao honore les femmes laborieuses d'Adjon, c'est ce qu'a mis le canard ce matin. C'était donc samedi dernier sur l'esplanade intérieure du stade Omnisport d'Adjon, c'est ce qu'a mis le journal ce matin. Fausse manchette au salubrité, assainissement dans la commune de Ouessé. L'altruiste Amadou Moukaïla offre un lot de matériel aux associations de développement de Kilibo, a mis le leader du jour en grand titre ce matin. Célébration de la GIF édition 2024. Dorothée Sossa rend hommage aux femmes de la cour constitutionnelle du Bénin, a mis le journal ce matin. Le Télégramme, renvoyé à la retraite forcée. Quatre agents des eaux, forêts et chasses rappelés pour reprendre service, a mis le canard ce matin. Des agents des eaux, forêts et chasses promis au grade supérieur, a mis le canard ce matin à l'Assemblée nationale. L'ambassadrice du Venezuela fait ses adieux au président Vlavono, a mis le canard ce matin. Noélie Yarigo, reçue par le président de l'Assemblée nationale, également a mis le journal ce matin. L'événement précis,
Maître Jacques Migan, suite à la promulgation du code électoral, les suscitations de candidatures, c'est terminé. Le bloc républicain draine ses militants de la 19e circonscription électorale vers la 20e, vers les 20% voilà, exigés par la loi, a mis l'événement précis ce matin. La priorité, voilà, Guillaume, est revenu. Critique tous azimuts après promulgation du nouveau code électoral. Joël Ataï-Guedegbe demande vivement une loi complétive, a mis la priorité ce matin. La primaire s'installe après Assemblée nationale. La première session ordinaire de 2024 s'ouvre le 15 avril prochain, a mis le canal ce matin. Œuvre sociale qui est tout dans la 22e circonscription électorale. L'honorable Titi Layo Adjaï au secours des sinistrés d'Aye Kotania et de EPP. Il a dit, a mis le canard à ce matin. La nation, code électoral modifié et complété. L'analyse politico-économique du professeur Albert Roloncourt sont à retrouver dans les colonnes du journal La Nation dans sa livraison de ce matin. Le matin, classement du top 10, trois patrimoines du Bénin au pinacle des plus hautes statuts en Afrique. C'est ce qu'a mis le matin en premier grand titre ce matin. Le Béninois libéré, code électoral et grande interrogation sur l'avenir. Les confidences de Jacques Ayadji à ses amis. L'intégralité de son adresse aux militants de Moël Bénin, c'est-à-dire dans les colonnes du journal Béninois libéré dans sa livraison de ce matin. Bien évidemment, de ce journal, on va retrouver lequel? Oui, l'emblème du jour. L'emblème du jour de Joël Émeric Alagué. Qui titre ce matin, ce lundi justement, 25 mars 2024, à sa une, bien évidemment, l'emblème du jour. Palais des gouverneurs à Porto Novo. Le 15 avril prochain s'ouvre la première session ordinaire. C'est ce qu'a mis le journal ce matin. Toujours à l'Assemblée nationale, nous restons pour parler. L'ambassadrice de Venezuela fait ses adieux au président Vlavonou, a titré l'emblème du jour ce matin. Le quotidien Matin Libre qui écrit ce matin Kamel Ouassangari sur zone franche. Patrice Talon, c'est fini. Trois points de suspension à mis le journal. Vous voulez en savoir plus, mesdames et messieurs, procurez-vous du canard. Ainsi donc se referme cette rubrique ce matin. On suit National TV. Merci infiniment de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Excellente semaine à vous toutes et chacun de vous pour notre compagnie. Que mon camp il a réalisé. Au revoir.